Darigan Dalayan Dundaro Ladan, Jiji the Shuling Burigan Dundaro Ladan, yes, in the third and the Mutambur of Taji, Mundaro Taji, Mughal, he is Taji. Turamundan Matarigan Dalayan Dundaro Ladan, Jiji the Shuling Burigan Dundaro Ladan, yes, in the third and the Mutambur of Taji, Mundaro Taji, Mughal, he is Taji. Franchement. Et tu sais même pas dans quel état tu l'as laissé? Non. Quelqu'un t'a vu? Je sais pas. Franchement. Tu te rends compte que tu viens de casser la gueule à un mec qui t'avait rien demandé en plus? C'est quoi ton délire avec les chauves? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Ils me font peur, c'est tout. C'est quand même dégueulasse un chauve. Et du coup, tu te sens obligé de les frapper? Toi, t'as peur des araignées, non? Quand t'en vois une, tu l'éclates. Ben moi, c'est pareil. Avec les chauves. Ok, donc si je perds un jour mes cheveux, tu me casses la gueule. Mais non. Et quand toi, tu perdras les tiens? Ah ouais. Donc toi, c'est au conditionnel, et moi, c'est sûr. Franchement, je t'aime bien, vieux. Mais je parlerai pas un dollar sur toi. Bon, écoute. Ok, va falloir se prendre en main. Tiens, je vais t'aider un petit peu. Je connais le nom d'un spécialiste, tu vas voir, il est top. Hop, tiens, va le voir ma part. Tu vas voir, il est super. Au poil. Moi au moins, j'ai pas les oreilles de Dumbo. Connard! Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je vois. Bon, écoutez, je sais que c'est pas simple de, voilà, de devoir s'exprimer comme ça, d'un coup, devant un inconnu, mais faut que vous sachiez que je fais ça tous les jours avec des dizaines de patients, et voilà, je suis là pour ça, donc allez-y, je vous écoute. Ah, on n'est pas bavard, hein? On n'est pas bavard. Bon, pour vous donner le fond de ma pensée, hein, comme ça, je vois dans votre silence une forme de mutisme. Je me sens un peu comme Nietzsche face à son cheval. À Turin. Non? Bon, écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais comme vous, mais voilà, moi-même, j'ai réussi à surmonter mes erreurs. À me laisser aller, voilà, mais j'ai surpassé mon malaise. Give me down the bare hair, show the length longer. J'ai étouffé mes angoisses et aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer. Je ne m'arrête pas de parler. D'ailleurs, vous verriez ma femme, elle me dit tout le temps: Michel, tu radotes, ferme ta gueule, Michel. Si vous avez une seule chose à retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est: il faut affronter ses peurs. C'est marrant qu'on en parle. Pour les toitures, c'est comme pour le reste, un seul ouvrage. C'est... ça tient de ma Bible en fait. Regardez. T'es sûr? Je suis sûr. Le psy a dit que je devais affronter ma peur. C'est ce qu'il faut faire.